Salut, salut! Donc on se retrouve pour un haul action, oui, encore. J'y étais hier parce qu'il me fallait des cotons, des petits cotons pour quand je vais enlever mes ongles. Parce que ce que j'ai, c'est vraiment de la merde. Et mon chien fait encore un bordel monstre. Et il me fallait des patchs pour mon dos et je suis sortie avec plein de choses, sauf ça, puisqu'il n'y en avait plus en magasin. Voilà. Donc je vais vous montrer, parce que mon mari a pris des petites choses aussi, je vais vous montrer ce qu'il a pris. Bon, hormis certains trucs de bouffe, puisqu'il en a dû manger les trois quarts. Donc d'abord, on a repris des mouchoirs à papier. Voilà, c'est la base, des choses qu'il faut tout le temps. On a également repris du PQ et de l'essuie-tout, mais bon, ça je vous montre pas, parce que je crois que vous commencez à connaître ces produits-là. Il s'est repris un chargeur USB, voilà. C'est à mon avis pour charger sa cigarette électronique, puisqu'il en a un pour son téléphone, je comprends pas trop. Enfin, il en a repris un, c'est pas perdu. Il a repris une sauce qu'il aime beaucoup, c'est la yami sauce, donc c'est à l'oignon. Et c'est vrai que ces sauces-là, elles sont extra, et celle à l'oignon, là, elle est vraiment très bonne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même des formats 500 ml, quoi. Donc, voilà. Il a repris 4 cuillères à soupe, parce que nos cuillères disparaissent. On a des petits lutins qui font disparaître nos cuillères. On ne sait pas trop pourquoi, donc elles sont quand même assez lourdes, c'est des en inox. Elles ont l'air pas mal, elles ont l'air assez costauds. Chose qui est assez rare dans ce genre de magasin discount. Ah, c'est des cuillères à soupe, mais au moins elles ont l'air costaudes. Il a repris du déboucheur. Voilà, à chaque fois je me fais engueuler parce que comme je perds mes cheveux à cause de la sleeve, je bouche la baignoire. Donc on carbure au débouchant pour l'instant. Voilà. Et mon mari, on met une ou deux fois par semaine, enfin une fois tout, par semaine ou tous les 15 jours pour déboucher un peu et enlever tous les cheveux qui trottent. Dans les canalisations, quoi. Mais c'est pas ma faute, j'en peux rien. Il s'est repris aussi, je sais pas ce qu'il va faire avec, mais les trois pinceaux. Ouais, un set de trois pinceaux. Ils sont vraiment bien. Moi, je m'en sers souvent quand je vais repeindre un meuble comme les étagères et tout ça. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont, ils sont bien. Ils sont pas chers et ils sont bien. Dans la même catégorie, il s'est repris un mètre ruban. Voilà. Il a perdu le sien. Je pense qu'il sait plus ce qu'il l'a mis. Donc, c'est un 5 mètres. Voilà. Il est beau, hein? Il est gris et orange comme ça. Voilà. Il s'est pris un paquet de gâteaux à la coco. Donc ça, je pense que je vais lui en piquer un parce que je les aime bien. Je ne suis pas très gâteau. Mais celui-là, je les aime bien. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle ces gâteaux-là. Mais c'est ceux, vous savez, vous pouvez manger ce papier aussi. Bon, moi je l'enlève, hein, mais il y en a qui le mangent. Voilà. Et dedans, vous avez 6 gâteaux à la coco. C'est un peu le même goût que les rochers. Il a repris, alors ça c'est très bien parce que comme j'ai trois mecs à la maison, hein, je suis la seule fille, il a pris un format de presque 1 litre de gel douche 3 en 1 comme ça. Donc c'est de la marque Daily Intense Mane, c'est la senteur cobalt 3 en 1, shampoing, conditionnaire et body wash. Et il y a 946 ml dedans et je trouve ça génial pour le prix, franchement. En plus c'est un flacon pompe. Alors est-ce que ça sent bon? Là ça sent l'homme. Les hommes vont se sentir bon à la maison. Donc je trouve qu'il a une bonne idée. En plus, on adore les formats, enfin pour eux, quoi, les formats shampoing et gel douche en même temps. On achetait toujours ça pour le petit quand il allait à l'internat. Maintenant, il ne va plus. Mais pour quand il allait à l'internat, c'était beaucoup plus pratique de se balader avec un bidon de produit. Pas des si grands, mais que 50. Question bouffe, j'ai repris des nouilles pour tout le monde. Voilà, il n'y a que mon mari qui ne les mange pas, mais moi et les enfants, on adore ça. Et pour le prix, ça fait un repas vraiment pas cher, en sachant que moi je fais 2 repas quand même avec. Hein, voilà, je mange à midi, souvent à 4 heures encore. Donc, quoi que je commence à savoir presque manger la totalité, vous savez des formats combien? Il y a 60 grammes dedans. C'est pas énorme. Vous mettez juste de l'eau chaude, vous attendez quelques minutes et puis c'est prêt. Donc c'est un repas économique, rapide. Pas très sain, on est d'accord, mais on adore ça quand même. Et si vous me suivez un peu, vous savez que j'en achète à chaque fois qu'on vient. Il y avait des pastilles de café, donc pour la Dolce Gusto. Donc là, j'ai pris des longos. Il y avait juste longo ou cappuccino. J'ai repris des longos pour mon frère quand il vient, parce que d'habitude, je lui achète des expressos, mais là, il n'y en avait pas. Il y en a 14 dedans, donc c'est pas forcément par rapport au prix des Dolce Gusto, c'est pas une grosse économie, mais c'est quand même un tout petit peu moins cher. Comme d'habitude, on a repris des friandises pour les chiens. Donc j'ai pris ceux-là pour le gros. Donc il y en a deux dedans, hein, mais il en a déjà eu droit à un. Donc c'est des dog dazzler, chicken roll double
Color Stick. Voilà, donc vous avez un nonos et puis c'est enroulé de poulet séché, de bacon séché. Sinon, ça a l'air, ils disent que c'est du poulet. Donc, et il était bien content, mais il l'a mangé assez vite quand même. Je pensais que ça allait durer un petit peu de temps, mais il l'a mangé en 10 minutes. Hein, voilà. On a repris ceux-ci parce qu'il les adore. Et la petite, elle, ça lui fait par contre plus d'une heure. C'est des chewy sticks. Donc il y a 8 pièces dedans. Donc c'est pareil, un os enrobé de bacon, poulet, je sais pas, au canard. Voilà, c'est des filets de canard séchés. Et comme d'habitude, on a pris les filets de canard tout simples, les languettes comme ça. Il les adore. Et vous voyez qu'il est ouvert parce que les chiens en ont eu une quand on est rentré des courses. Et dedans. Il y a 170 grammes, 170 grammes, mais ils ne disent pas combien il y a de pièces, mais bon, il y en a quand même un paquet, donc ça fait un peu longtemps. Donc, mon mari a trouvé un porte-clés Fortnite pour mon fils, parce qu'on va devoir lui faire une clé vu qu'il rentre dans la grande école, qui est, il me semble que c'est le collège chez vous. Collège, non, lycée. Collège, lycée, fac. Il me semble que c'est ça. Enfin, bref, il a 12 ans. Il a 12 ans, donc il rentre à l'école secondaire et il va lui falloir une clé pour la maison. Et du coup, on a pris. Enfin, il a trouvé. C'est con parce que moi, je ne les ai pas vus parce que vous avez. Il y en a 36 différents. Et là, il lui a pris la tomate. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Donc, j'espère qu'il sera content. Je lui donnerai ça tout à l'heure quand on va chercher chez mon frère parce que là, il est en vacances chez mon frère. J'ai repris pour, bah justement pour les petits de mon frère un lot de 7 jumbo crayons, enfin crayons de jumbo parce qu'ils ont une passion quand ils viennent à la maison, ils dessinent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup j'avais plus beaucoup de crayons, donc voilà. Là ça leur fait, en plus c'est des gros, donc même le petit aura facile de les tenir en main et je trouvais ça bien. Color pencil et un taille crayon juste ici. Voilà, j'espère qu'ils seront contents. Alors, pour moi, j'ai pris une prise comme ça, double USB. Voilà, vous avez deux encoches USB pour mettre à mon bureau où je fais mes ongles, pour mettre brancher la lampe UV. Et j'ai commandé un ring light. Donc, je l'ai commandé sur AliExpress aussi. Et du coup, c'est tout des branchements USB, puisque comme ça, c'est international, hein, les prises. Et du coup, je pourrais brancher les deux sur la même prise et ça me ferait économiser dans mon domino une place, quoi. Donc voilà pour ça, c'est ce qui nous a coûté le plus cher. Voilà. Parce qu'avec mon mari, on fait un concours. Quand on voit Action, c'est pas bien celui qui prend le produit le plus cher. Oui, oui, on a des concours un peu bizarres. Hein. Voilà. Je me suis pris les décos de cheveux comme ça, les petits anneaux. Donc vous avez des plumes, vous en avez un, c'est marqué Love. Là, il y a une petite perle et les autres, c'est des simples. Ok. 1, 2, 3, 4. Donc il y en a 5 avec les plumes, un love et un avec une perle. C'est dommage qu'il n'y en a pas plus avec les perles parce que j'aime beaucoup ça. Donc voilà, vous avez 20 pièces dedans si j'ai bien lu. Ouais. Il y a 20 pièces en tout. Donc voilà, j'en voulais depuis très longtemps. Je voulais les commander sur AliExpress. À chaque fois j'oubliais. Et puis là du coup, bah, je suis tombée là-dessus. J'étais trop contente. Et maintenant il n'y aura plus qu'à faire des tresses et puis pouvoir les mettre dans mes cheveux, voir ce que ça donne. Je me suis pris un déo Dove, voilà, pas de surprise, c'est celui que j'utilise tout le temps. Donc c'est le Beauty Finish 48 heures, zéro alcool, antitranspirant, un quart de crème hydratante, comme dans tous les produits Dove. Alors il me fallait des nouveaux masques en tissu, parce que vous savez que je n'utilise que ceux-là, je vous en parle dans ma routine soin, je vous la remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Et du coup, il y avait des nouveaux, il y avait trois sorts, donc j'ai pris les trois. Donc vous avez d'abord le masque avec la petite abeille, comme ça, qui est à l'extrait de miel, donc Made in Korea, c'est écrit en chinois, donc pour ceux qui n'aiment pas les produits chinois et tout ça, voilà. Donc là c'est de moisturizing, enfin c'est pour nourrir quoi, enfin c'est hydratant, nourrissant, ouais c'est plutôt un masque nourrissant. Est-ce qu'ils disent ici, contient de l'extrait de propolis et de miel, apaise et humidifie, vitamine E, de l'acide hyaluronique et de l'extrait de thé vert pour peau normale. Laisser à poser 15 à 20 minutes et faire pénétrer le reste du sérum. Donc voilà, c'est des masques que j'utilise tout le temps. J'achète que ceux de chez Action de toute façon et ceux-là étaient trop marrants. Et après, vous avez celui à l'avocat. Le petit avocat, il est trop marrant quoi. Donc là, c'est un hydratant. Softening Hydrating. Alors, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Contient de l'extrait d'avocat, de papaye, de mangue, de concombre, vitamine E, soulage et hydrate. Pour peau normale,
Et même bordel pour le mail, vous laissez poser 15-20 minutes et ensuite vous faites pénétrer le reste du sérum. Donc en sachant que les masques en tissu, du fait que j'ai pas d'imperfection, je les utilise deux fois. Je le remets la première fois que j'ai utilisé, je le remets dans le sachet, je le mets au frigo et je le réutilise 3-4 jours après et après je le jette. Mais si vous avez des imperfections, faut pas faire ça. Et ensuite vous avez le dernier, c'est à l'extrait de perle. Donc la petite perle trop mimi. Trop mimi. Brightening et anti-acné. Donc oui, j'ai pas d'acné, mais bon, le brightening, ça sera très bien. À l'extrait de perle. À l'extrait de perle, renforce l'éclat et réduit l'acné. Vitamine E, B3, de l'acide hyaluronique. Toujours pour peau normale et toujours le même tintouin. Laissez poser et masser. Mais la petite perle, elle est trop mignonne. Franchement, ils sont tous trop mignons les packaging. Entre la petite abeille, l'avocat et la petite perle, c'est trop mignon. Bon, la petite perle, elle a quand même. Quoique l'avocat, j'aime bien aussi. Ils sont trop beaux. Et pour terminer, vous connaissez ma passion pour tout ce qui est papeterie, surtout les carnets à spirale. Donc j'en ai trouvé un. Oh, il est trop beau. Mais d'abord, je vais vous montrer. Je me suis acheté des stylos. Donc vous en aviez 4 et c'est des léopards aux couleurs rose, bleu, vert. Trop beau. Trop beau. Monsieur n'est pas très léopard, il est juste noir avec des points roses. Mais les autres sont trop beaux. Et c'est des stylos habits à encre bleue. Voilà. Et alors le carnet. Mais est-ce que vous êtes prêts pour cette beauté? Cette merveille que j'ai trouvée. Attention. Boum. Oh, c'est la clé clochette. Elle est trop belle. Alors j'ai eu de la chance parce que c'était le dernier. Il restait un Winnie l'ourson, 3 Blanche-Neige. Et tout en dessous, il y avait un petit clochette. Oh, j'adore. Vous avez ça derrière. Oh, elle est trop belle. Alors, ils ne disent pas combien de feuilles il y a dedans. Après, ils le disaient peut-être sur le truc, mais... Donc, c'est un carnet ligné. Et puis, sur chaque page, vous avez une petite clochette. C'est à chaque fois le même dessin de clochette, hein, mais... Oh, il est trop beau. Il est magnifique. Je suis amoureuse de ce carnet. Donc, vous savez à quel point je suis obsédée par les carnets avec les anneaux, parce que voilà, je note toujours tout dedans, mes idées vidéo, mes idées de nail art, mes idées de tout. Enfin, je note tout dedans. Et j'en achète toujours quand j'en trouve des beaux, j'en prends toujours un. Et celui-là, il y en aurait eu deux. Je pense que j'en aurais pris deux. Ou il y aurait eu d'autres princesses, j'aurais pris d'autres princesses. Enfin, plutôt Blanche-Neige, j'aime pas Blanche-Neige. Et Winnie the Pooh, c'était Winnie the Pooh, quoi, c'était pas. Le Winnie the Pooh, il était un peu jaune, comme ça, le carnet, et Winnie en cuivré par-dessus. C'était joli, mais je suis pas fan de Winnie, quoi. Je suis fan de clochette, d'accord, mais pas de Winnie. Après, j'aimerais bien trouver un avec soit Jasmine ou Belle, parce que Belle, c'est une de mes princesses préférées, ou Elsa, ou Olaf, voilà, des personnages, ou Stitch, des personnages Disney que j'aime beaucoup. Puisque mes personnages préférés Disney sont Clochette, Stitch, Olaf, Elsa, Belle, Zip, comme vous pouvez voir juste ici, et Mrs. Samovar, que j'ai le bracelet Pandora, enfin la breloque Pandora, mais je ne peux plus mettre mon Pandora à l'étoile, faut que je rachète un. Donc bref, voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais voilà pour mon petit haul action. Il y a quand même pas mal, hein, je suis d'accord, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas été vraiment me balader dedans. En principe, j'y allais pour aller chercher, je savais ce qu'il me fallait. Et là, comme je vous dis, il me fallait des patchs et des cotons, et j'ai pas de patchs et de cotons. Mais bon, top, il y en avait plus du tout. En fait, je crois qu'ils sont en train de refaire le rayon, et du coup, il n'y en avait plus du tout en rayon. Ils les ont pas déplacés, puisque j'ai fait le tour, je les ai pas vus. Mais voilà, j'irai en chercher soit dans un autre, ou soit quand ils auront rangé le rayon. Et voilà. Donc, ben, on se retrouve mercredi. Et en attendant, je vous dis bisous.